we keep on. People. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtus, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour vous donner encore une information en ce qui concerne la mise à jour 1.15. J'ai pas forcément vu qu'ils avaient rajouté ça. Je l'ai vu sur un tweet que Rockstar a fait hier soir, parce que oui je suis Twitter sur Rockstar. En attendant, moi je vous invite à me rejoindre sur Twitter et Facebook, dont tous les liens se trouveront dans la description. Enfin bref, donc comme vous l'avez vu dans le titre, des montagnes russes, bah j'appelle pas vraiment ça des montagnes russes, mais on va dire un sorte de manège assez fun que vous pouvez réaliser entre potes ou même tout seul. Bon, tout seul c'est pas très intéressant, mais si vous le faites à plusieurs, à ce moment là ça peut être un peu plus intéressant. Donc pour cela vous allez devoir vous rendre à la fête foraine qui se trouve sur la plage. Donc je vais vous montrer un peu où ça se situe sur la carte. Donc voilà, vous savez un peu où est-ce que ça se situe depuis que GTA 5 est sorti. Donc vous allez tout simplement vous rendre sur la plage. Je vais juste demander à la madame de remonter dans la voiture. Madame, veuillez remonter dans la voiture. Merci beaucoup. Donc vous montez dans la voiture. Bah non, vous montez pas dans la voiture, mais vous allez tout simplement vous diriger là où je suis, dans la fête foraine, descendre et tout simplement monter les escaliers. Donc là il y a une barrière, hein. C'est pas pour essayer là, bon, enfin bref c'est pas très intéressant. Donc vous allez tout simplement monter ici et attendre que le train arrive et vous placer bien de ce côté là, parce que si vous placez de l'autre côté vous ne pourrez pas monter dans le train. Donc vous attendez qu'il arrive et après vous allez attendre une demi seconde ou une seconde et vous allez pouvoir monter sur les montagnes russes, si on peut appeler ça comme ça. Et après vous allez pouvoir vous amuser entre potes, etc. Je tiens à préciser qu'il faut payer 10$, c'est un peu du vol mais c'est pas grave. Donc vous payez 10$, vous attendez, vous mettez bien à côté une fois qu'il a arrêté. Donc je vais tout simplement demander à la madame d'arrêter de me frapper, ça serait vraiment très sympathique. Et après vous faites flèche de droite, vous payez 10$ et après vous attendez que montagne russe en bas à droite, il y a écrit 0 seconde et après le train va se lancer. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces images, j'espère vraiment que cette petite info vous a plu, hein. C'est vraiment une info basique, très très simple. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, n'oubliez pas de liker et de partager, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos sur GTA ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde. Let me be your addiction. Hit my body like a drug. Let me be your addiction.